on reçoit annuellement un budget annuel pour le développement régional sur le plan pédagogique. Et pour l'année 2013-2014, nous avons priorisé de mettre en place une bonification de nos cours d'été. Donc, on sait qu'actuellement, il y a des cours d'été qui se donnent dans toutes les régions, dans toutes les commissions scolaires. Donc, à partir de l'été 2014, on va mettre en place un cours d'été en ligne. Donc, ce projet-là a été initié par 5 commissions scolaires, donc qui font partie de la commission scolaire de la région administrative. Oui, la Mauricie et Centre du Québec. Donc, c'est 5 commissions scolaires qui participent au projet. Donc, on a mis à contribution les forces de chacun des milieux pour bâtir, dans le fond, des nouveaux cours d'été en ligne. Et la particularité des cours qu'on présente, c'est c'est un cours qui est fait de façon dynamique et qui tient compte aussi de l'accompagnement des élèves. Donc, on veut s'assurer que nos élèves qui vont suivre ces programmes-là puissent trouver intéressant de suivre les programmes. C'est bien sûr que quand on regarde, l'idée, c'est de ne pas retirer les cours d'été qui se font actuellement, parce qu'il y a déjà des cours d'été qui se donnent dans chacune des commissions scolaires. Pour la commission scolaire des Bois-Francs, les cours sont donnés actuellement à l'école secondaire de Boisé et à la polyvalente La Savante. Donc, pour l'ensemble des élèves de notre territoire, on a comme deux pôles où se donnent les cours d'été. Il y a des onglets, dans le fond, qui nous permettent, ou des boutons, là, d'aller explorer ce cours-là. Fait, qu'est-ce que c'est? On vous en a déjà parlé un peu, mais il y a une présentation qui est faite du projet. Les cours qui sont offerts, OK? On peut aller consulter tout simplement en cliquant les possibilités, là, les offres qui sont faites. C'est-tu correct que je fasse le tour comme ça? Oui. Mmh. OK? Fait que, comment le fonctionnement se déroule? Fait que le parent est à même d'avoir sa souris bionique ou je sais pas quoi. J'arrive pas à... OK, je ne voyais plus après.